Bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue chers amis, bienvenue dans votre épisode de Farm Manager 2021. Je vous ai compris, voilà, je vous ai compris. Après le dernier épisode qui était quand même... est-ce qu'on peut dire nul ? Oui, je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'il était nul. Voilà, il va falloir un petit peu rebondir. Est-ce que c'est le jeu qui veut ça ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Là déjà, il y a un truc de grange au-dessus, donc c'est que cela ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qu'il te faut, mais on en a une de rebord comme ça, neuve. Elle est là. Elle est pas là. Elle est où ? Mais t'es où ? Mais t'es pas là. Mais t'es où ? Mais t'es pas là. Donc il n'y a que ce truc-là qui est coché. Mais c'est bizarre, botte de foin. Coûte cher ça ? Faut croire que ça coûte pas si cher que ça. Maintenant c'est fait, elle est achetée. Voilà, elle est achetée. Bref, on va essayer de rebondir, on va essayer de se refaire. Faut pas déconner, on va pas laisser tomber. Ah, on voit les plans à l'intérieur, oh, ça c'est joli. Bon. Par contre déjà, on commence, il y a un petit souci apparemment, on n'a pas assez de personnel. Nous n'avons point assez de personnel, tu vois, si je fais ça, là ils sont pas à côté. Donc ça englobe les champs, tous les champs, et ça c'est bien, mais toutes les serres. Donc du coup, ouais, ça englobe pas ici. J'aurais dû les faire un peu plus par là, les serres. Ça, j'aurais dû le garder. Mais on a des... Voilà, enfin, force de virer tout le monde aussi. Bah, tu peux recruter ici, c'est débile. Pourquoi je recruterais ailleurs ? Je suis con. Non, c'est bon, tiens, regarde, hop là. Mes enfants, tiens, verger, ça on s'en fout, verger... Lui il est endurant, je sais pas, mais là il a rien d'autre. Les machines, il n'y en a pas un qui avait. Ouais, putain, putain, écoute. Bâtiment de l'année, hop là, ça. Et puis elle aussi. Et puis voilà, ça fait deux personnes de plus pour travailler ici. Sinon, j'ai viré quasiment tout le monde. Là, apparemment, il y a des champis. Et des champignons, alors qu'on n'est pas censé en faire pousser. À la base, c'est des fraises. Et je peux vous dire que pour avoir eu des fraises dans le frigo pendant un petit moment, les champignons, ils aiment les fraises. Ok. Bon, voilà. Apparemment, ça manque de personnel. Voilà, alors, j'ai suivi vos conseils. J'ai arrêté. Voilà, je... Par exemple, là, voilà, j'aurais tout supprimé. Le blé et le soja, je l'aurais supprimé. Par contre, si j'enlève les petits pois, quand même, la qualité de la nourriture, ça descend de pas mal. Donc, je sais pas, autant le mettre, c'est pas grave. Je sais pas. Là, j'ai enlevé la paille et les carottes. Je laisse le fourrage et l'herbe. Voilà, donc apparemment, ça coûte cher. Et puis, tu vois, ça... Ouais, ça descend pas des masses, mais en même temps du haché, on en a déjà beaucoup. Voilà, ce serait bien de retrouver un taureau aux filles. Ouais, peut-être ce serait bien d'en buter une par... Bon, ok, la viande de chèvre, elles se reproduisent doucement mais sûrement. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à vendre des petits trucs. On peut faire des photos. Non, peut-être pratique pour faire une capture de... Ah ouais, d'accord, mais attends, mais c'est cool ça. Ah mais ça c'est très très cool. D'accord. On peut voir ce qu'il y a dans les serres. Bon bah c'est un petit peu... Ah bah tiens, tu vois ça, je le découvre. On peut aller voir les filles. Bah pas les vaches, elles sont de l'autre côté. Bon, c'est un peu flou. Tu me diras, mais c'est pas pire, c'est pas si mal. Voilà, on voit les biquettes. Voilà les petites biquettes. Donc elles sont 5, exactement comme c'est dit. Voilà, il y a 5 moutons. Bon bah ça c'est sympa, voilà, les petites biquettes, les camions, tout ça. Ça va, le jeu est plutôt beau. Pour un jeu de gestion, il est plutôt beau de loin, voilà. Forcément de près, c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Voilà, le jeu pour moi, il est un petit peu spécial. Un petit peu trop lent dans son... un petit peu trop long.
Voilà, vraiment, un petit peu trop long. Et bon, c'est peut-être le début, alors du coup, je fais pas ce que je veux. On va vendre un petit peu tout ce que je peux vendre. Ah, qu'est-ce qu'on m'avait dit ? On avait une vente, une autre qui pouvait se faire automatiquement, mais je sais... marcher. Je sais plus où le programmer, ça. Est-ce que ce serait pas là ? Est-ce que ce ne serait pas là ? Amélioration du bâtiment. Je peux améliorer le bâtiment. Taille maximale. Maison moyenne exploitant. Permet des champs de taille maximale. Mais on s'en fout, on va pas faire des champs énormes. On a déjà à peine de quoi s'occuper de cela. Enfin, ça dépasse l'entendement. Donc par exemple... Ok, donc... ouais, alors... C'est pas là. Ok, bon, Tatsu, il découvre un petit peu. Mais il paraît qu'il y a une vente automatique. Dès que tu as du produit, que ça le vende automatiquement. Mais, attends, du coup... Oui. Mais... Genre, par exemple, j'ai du fromage. Oui, non, mais là, il vient de prendre tout le fromage, là. C'est pas la peine. Ok, ça va faire 44 000. Ok, j'ai de la laine que je vais garder. 1200 kilos de fraises, là aussi, ça fait 14 000, mon gars. Le blé, dois-je le garder ou point ? Le soja, ouais, on va le dégager, le soja. Ouais, mais ouais, bon, on aurait pu le donner à bouffer aux les betteraves. J'aurais interdit d'en manger. Aïe, aïe, je me sens mal. Je me sens un peu mal. Et le fromage de brebis, il fait quand même 60 000. 60 000, ce n'est pas rien, surtout que je ne l'utilise pas. Et du coup, comme je l'utilise pas, 120 000 le fromage de vache. Bah oui, parce que j'en ai beaucoup. Mais celui-là, il faut le garder. Par contre, celui de biquette, 8 000. Ouais, mais il y en a moins. Il y en a moins. On va garder celui de biquette et puis on va vendre tout le reste. Ça va me faire un petit pactole qui est pas négligeable. On a normal. Mais enfin, ça dépasse l'entendement. Pourquoi il manque de personnel comme ça ? Bon, bah, on va construire une petite... Mais toi, t'es construit, toi. Pourquoi ça recrute plus ? Ça ne recrute plus du tout. Écoute, on va licencier la dame, là. Puis ça, on va le casser. Parce qu'apparemment, à force de licencier des gens, apparemment, les gens veulent plus venir bosser pour moi. Dieu seul sait pourquoi. Bon bah c'est bon au niveau du truc, là toi tu peux donner un coup de main absolument partout. Tiens, si je te place ce genre ici. Et bah voilà, tu vois quand tu veux. Décidément les employés, et puis j'ai réduit le salaire des gens. J'ai réduit le salaire des gens. Vraiment, il faut faire des économies parce que le truc de fruits qui me demande coûte une fortune aussi. À construire un bâtiment d'atelier de transformation de fruits, donc voilà, ça coûte une petite fortune. Alors ça, c'est transformation de fruits, voilà, 380 000 mazettes. Mazettes, j'espère que... Bon, bah, par contre, c'est bien parce qu'on pourra faire du jus. Du jus et de la confiture. C'est bon, ça se vend. Cela se vend. Ok, on va avancer un petit peu. On va les laisser continuer à faire du fromage avec mes vaches, mes vachounettes qui... Oh. Dans les fourrages. Ouais, ça va. Ouais, bon, bah voilà. Toi, t'es bien payé? Non, ça va. Moins 30. Ah oui, d'accord, ça a coûté quelque chose. Hein. Pinaise, ça a coûté quelque chose. Bon. D'accord, voyons voir si ça... qu'est-ce que... Non, ça, c'est juste le menu. Comment on fait pour vendre? Il doit y avoir un truc. C'est quoi, déjà, commerce? Alors, attends. Céréales. Est-ce que c'est un HV? Est-ce que c'est tout de suite? Tout. En fait, il n'y a rien. Commerce. Peut-être que c'est pour avoir mon propre commerce à moi. On ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Il y a aussi la laine que je vais garder... Car, à mon avis, ça va rapporter des sous. Et pas qu'un peu. Le traitement anti-champi, bah, normalement, ça, vous allez en avoir besoin. Là, il faut venir le... Mais pourquoi il n'y a pas de... Mes enfants, qu'est-ce que cette histoire d'électrique? Tu n'as point d'électricité? Bon, ils n'ont point d'électricité. Oh, bah, il est juste dans un angle mort, le truc.
Il est juste dans un angle mort. Ah tiens, mets-le. Attends. Ne bouge pas, parce qu'il y a ce truc-là qui suffirait de transformer. Bouge pas, il est où le... Ah, le voilà. Ne casse pas tout. Juste ça. Donc normalement, si je transforme ça... Voilà, enfin. Bon, allez, recrute des gens. Hein, c'est pas tout ça. Ah oui, mais parce qu'on est en décembre aussi. Ouais, recrutement des gens, quoi. Bon, je sais plus. Je sais plus au niveau des périodes comment ça se joue. Bon, enfin, est-ce que je fais pas de nouveau la même connerie? J'en ai aucune idée, mais c'est pas impossible. Ok, là aussi, apparemment, on est prêt à récolter. Là, les champs... Ouais, la pastèque, on n'y est pas. Ça vient d'être planté. Donc, une fois par an, hein, évidemment. On attend le pognon, on attend la viande. Comment ça marche avec la viande de mouton? Ouais, bon, bah, on va changer pour la viande de chèvre. Hein. Il va falloir des poules. Les poules, ça se reproduit vite. Tu me fais un abattoir pour les poules. Parce, ok, mais là, les chèvres... Alors ça, c'est... prendre dessus. Ouais, on va en mettre à 5. Tu m'en laisses 5. Tout le reste, tu prends. Ouais, déjà, là, elles sont 5. Là, elles sont 6. Oh là là... Je sais pas quoi faire. Est-ce que... Combien je vends la viande? That is the question. Combien elle se vend? 110? La viande de chèvre, c'est 110. Et si je veux acheter une chèvre, c'est 205. Donc il faut attendre qu'elle se reproduise. Donc il faut obligatoirement attendre qu'elle se reproduise. C'est con, mais c'est comme ça. Alors est-ce que si je monte à 8 et que j'ai... genre 8 chèvres... Et que tout ce qu'il y a au-dessus, ils les prennent. Est-ce que ça ira plus vite? D'accord, donc là, j'ai un champ qui, littéralement, a pris feu. Why? I don't know. Donc là, les pompiers, au secours les pompiers. Tatsu est malade, au secours les pompiers, Tatsu va crever. Ils sont partis, une demi-heure après, ça brûle encore, hein. Bon, c'est parfait. Donc c'est un champ de fraises, ils vont pouvoir les récolter. Elles vont avoir un petit fumet, les fraises, hein, un petit goût spécial, Tatsu. N'importe Nawak. Bon, bah voyons voir ce qu'on peut vendre. Putain, on en a beaucoup du fourrage, hein. On en a énormément. Oui, bon, bah ça va, je sais. Tu m'interromps. Le lait de machine. Oh, putain, faudrait pas en garder un petit peu pour faire du fromenton. Parce qu'on pourrait changer avec tout le lait qu'on a. Ah, c'est celui-là. Là, on en a beaucoup, on pourrait faire du fromage de chèvre. Ouais, on pourrait tout aussi bien tout vendre. Tant pis. Et là, ça rapporte pas des mains, ça rapporte que pouic. J'ai vendu ma fromagerie pour acheter cet abattoir à la con pour avancer dans le truc. Non, Tatsu, il est pas content. Il est clairement pas content. D'ailleurs, je pense que ça va être le dernier épisode et que je vais tout simplement faire une run free. Comme ça, je pourrai faire ce que je veux. Parce que ça va pas. Ça ne va pas, chers amis. Moi, je ne suis pas jouasse. J'ai envie de vous le dire. Je ne suis en aucun cas heureux de ma run. Absolument pas. Ça va rapporter une petite misère et tout va partir incessamment sous peu. Donc on va accélérer. Oui, non mais tais-toi. Il passe l'hiver. Bon, bah après l'hiver peut-être. Espérons que cette année ce soit mieux. Mais 320 000, super. Super 320 000. Donc on a eu des revenus. Par contre, il va falloir en avoir encore. Donc ça c'est l'herbe. Super, c'est pour nourrir les bêtes. Je me demande si je devrais pas acheter plus de bêtes. Plus de bêtes, encore plus de bêtes. J'ai pas envie. Je n'en ai moins envie. Bon, attends, on va essayer quelque chose.
8. 9, 8. Du coup, voilà. Du coup, s'ils sont nombreux et qu'ils font plus de bébés, peut-être que ça ira mieux. On essaye. On essaye, on a un peu d'argent, on essaye, on a de la bouffe, on veut-tu, en voilà. Les gens, ils sont plus ou moins bien payés. J'espère juste que ça, ça va rouler ma poule. Voilà, c'est tout. Pour le reste, pareil, quoi, faut avancer. J'aurais bien aimé essayer la pisciculture. J'aurais bien aimé essayer d'avoir des animaux comme des comment on appelle ça, des autruches. Je vais pas faire des œufs d'autruche. Ah, moi, ça me plairait. Ça me plairait. Le lait. Ridicule. Et puis sinon c'est tout. Sinon on a un peu de blé. On pourrait faire du pain, je sais pas, un truc transformation. Des galettes, des produits, des gâteaux. Avec les fruits tu fais des gâteaux. Faudrait faire pousser encore de la canne à sucre pour être totalement autonome. Bon, là, tout va bien, là, oui, c'est bon, tout va bien, on avance. On avance, j'espère que au moins j'aurai assez de fraises. Quand est-ce que ça se récolte? Donc incessamment sous peu, hein. Incessamment sous peu, là, ils pulvérisent du fumier absolument partout, du fumier qu'on a en grande quantité, on est d'accord. Attends, c'est quoi ça? Ouais, non, ça c'est le canard, là. Liste des animaux. Donc ça, c'est tous les animaux que l'on a. On pourrait faire du sanglier, des canards, les carpes, les cochons. Hein, non, mais les cochons aussi se reproduisent vite. Alors donc maintenant que j'ai beaucoup de chèvres, dis-moi qu'elles vont baiser. Parce que les moutons... oh là là. J'en sais rien. Les moutons. Ben ça va pas fort, hein. Les moutons en tout cas ça bouge pas, hein. Ça produit de la laine mais ça bouge pas, ça non plus, ça a coûté une fortune, ça bouge pas, vraiment chiant, hein. C'est vraiment chiant, en tout cas au niveau du personnel ça va, j'ai personne qui est au chômage, apparemment ça va, là j'ai pas 36 000 personnes qui ne font rien, c'est juste bon. Parce que si c'est automatique, il faut que quand ils ont plus rien à faire, ce soit automatique aussi. De les dégager. Allez, produis-moi les fraises. Donc ok, juste encore un petit peu. Oh, le bon produit chimique. T'as raison, ma poule. Donc on a 2-3 tracteurs, il me semble. Au niveau tracteur, on a tout, hein. Pulvérisateur. Oui, pulvérisateur, tout va bien. J'attends un autre jeu qui s'appelle... bon sang... Farm quelque chose 2021, mais c'est Playwell pareil qui le produit. J'ai hâte de mettre la main dessus, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ok, les fraises, hein, ça commence à venir. Là, il n'y a pas assez de personnel. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, j'ai 3 personnes là, qui ne foutent rien, mais il n'y a pas assez de personnel. Eh ben, dis donc. Allez, avanti. Ça me saoule de devoir attendre. Moins 20%. Ah, ça va, ça roule, là, vous me faites du fronton quand même. Les deux vaches. Ok, qu'est-ce qu'on peut vendre? 29 000, attends, ça fait 120 000. Ça serait qu'en même temps, si tu vends... 29 000, vends-en juste 20 000. Quoi? Non mais qu'est-ce que je fais? 80 000 déjà, moi je suis sauvé. Si t'arrives à me vendre ça. Ça coûte rien du tout la viande. Hein. Vraiment la viande ça ne coûte rien. Ah bah bravo, bon ça c'est au plus bas. Ok, bon maintenant que j'ai 380 000, on va tenter de faire ça. Okay. Et machin. Ok. J'aurais essayé.
Tout beau, tout neuf. Normalement, je vais avoir des fraises, beaucoup de fraises. En théorie, elles arrivent. Théorie, elles arrivent. Parce que j'ai un champ qui est là, qui est énorme, qui devrait être ramassé. J'ai les gens qui sont sur place. C'est ça ? Ça doit être ça. J'ai aussi des serres, la fraise. On va essayer de miser sur le fruit. Par contre, au niveau pognon, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien, mon gars. Ouais, ouais. Niveau pognon, il n'y a plus rien du tout. Espérons que ça, ça marche. Où est-ce qu'on en est ? Waouh, 20 minutes de vidéo déjà. Comment ça va au niveau électrique ? Alors, en théo... On te touche. Il y a un transfo qui te touche. Donc, finis déjà ta transformation. Et ça devrait aller. Ok. Les bâtiments sont beaux, par contre. Hein. Les bâtiments sont vraiment, vraiment beaux. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Fraise. T'as du jus de fraise ? Alors, on peut faire de la confiture. Ouais, abricot. Ou confiture. Allez. Allez, go. Ah oui, c'est vrai qu'il faut des gens. Il me faut des gens. Il me faut embaucher... 4 personnes, animaux, endurance, donne de l'endurance. Oui, attends, c'est cette maison-là, cette maison, c'est pareil. Attends, bouge pas, normalement, cette maison-là, par exemple. C'est bon, t'es large. T'es large. Et vous, elle n'est pas pleine, non. Par contre, celle-ci, oui. Celle-ci, oui, elle est pleine. Aïe, 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 aïe. Ok, donc il faut que j'embauche 3 personnes. 2 ici, 2 là-bas. Bâtiment 2. Bâtiment 2. Puis une dernière si c'est possible. Bâtiment 3, et je crois que le bâtiment 3 est plein aussi. Bâtiment 3 est plein aussi. Merveilleux. Mais merveilleux. Donc toi, t'es trop loin. Hein. Ça touche à peine à peine. Ça touche à peine à peine. C'est honteux. Il me faut une personne de plus. Il me faut une personne de plus. C'est pas possible. Ce truc. Bon, là, on va mettre avec les 7. Une personne de plus. Ouais, mais là, il faut virer les gens ici. Il faut virer les gens ici pour les mettre là. Faut arrêter. De toute façon, elle peut me remercier. Sans déconner, j'ai presque envie de détruire le bâtiment. Il me sert plus à rien. Bon, il me sert plus à rien. Il faut qu'ils vont devoir se reproduire beaucoup trop vite. Ça aurait été des poulets ou des cochons, à la rigueur. Mais là, on peut switch vite fait entre les moutons et les machins, mais... Allez, fais-moi du mouton, saloperie. Ok, bon, il y a 6 moutons à chaque fois. Non, dis-moi que t'as... C'est censé être bon, hein. C'est censé être bon. Là maintenant, j'ai plus de sous. 67 000. Oh, mazette! Oh, mama! Oh, on va devoir vendre les meubles. Heureusement, on a assez de fromage. Dieu merci, on a du frometon. Ok, on a assez de fromage de vache. Ça devrait aller. Waouh! Et j'ai pas payé la facture d'électricité, oui, mais... Attends, mais tu te fous vraiment de ma gueule avec ton électricité, hein ? Tu te fous vraiment de moi, vilaine. Ah là, c'est bon. Allez, produisez-moi des trucs. Produis-moi un max, mon gars, j'en ai besoin. On est dans la mouise, hein ? Ok, combien ça fait ? Ça fait 90. Mais par contre, il me faut 100 fraises à chaque fois. Waouh ! 100 fraises pour un bocal. Putain, le truc de luxe, le produit de luxe, pour le vendre 95. Aïe, 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 mais quand même, oui, oui, oui.
Non, parce que si on fait de la transformation, il faut que ça... Il faut que ça dépote un peu, là. Il faut quand même que ça dépote. Ah, oui, mais attends, j'en ai 95 pots, comment ça marche? Ok, donc là, maintenant, tu viens de finir un truc. Je le vois toujours pas. Est-ce que tu l'as mis ici, le pot? Ok, récolte effectuée. Les fraises, oui, 120 de fraises. C'est parfait, ça, c'est bon, ça. Les framboises aussi, les bon, bah, tout effacé. Tout effacé aussi, passer de ressources l'avoine. Putain, maintenant, il me faut de l'avoine. De fourrage haché. On n'a pas assez de fourrage haché. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de moi? Ok. Comment là on a... Non, ça fait un petit moment que je me demande si vous pouvez me le récolter. Et là, on me dit pas assez de personnel. Vous moquez-vous? Fais quelqu'un machine, tiens, machine, elle est forte en machine, tiens. Elle est forte en machine et on va améliorer ça. J'ai pas d'argent. Et plus de fraises, allez. Ça, c'est la logistique. Et donc, est-ce que tu as commencé à me faire des petits pots de fraises? Ah, voilà, 250. C'est bon, ça, 280. Et donc, c'est ici. Ah ouais, à 29 kilos. Non, bah forcément, attends, le produit, il est transformé. Maintenant, ça devrait aller mieux, beaucoup, beaucoup mieux. 22 000, ça, on va le prendre, parce que bon. Ok, là, il y a 4 000, là, il y a 8 000. On est à peu près en haut. Oh, le fromage. Oh, c'est bon, ça, on est au plus haut. Ah, j'aurais peut-être pas dû vendre le... Bon, tant pis. tant pis. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Bah bien sûr, elle veut que je bute mes vaches. Connasse! Elle m'énerve. Le seul truc stable et fiable, elle veut que je commence à buter mes vaches. Putain, c'est pas possible, elle m'énerve. Le seul truc qui est stable et qui est fiable et qui marche bien. 4. Quand tu en auras 5, tu commenceras à me les buter. Foiré. Vendre de la viande de bœuf. Bordel. Allez, fais-moi ça. Qu'on avance un petit peu dans ce scénario nul. Putain, regarde, maintenant j'ai 10 personnes. 10 personnes qui servent plus à rien. Superbe. Toi, tu sers à rien, tu dégages. Vrai patron, quoi. Le vrai patron. Faut licencier des gens. Oh là, c'est honteux. Wouah ! merveilleux, 15 personnes qui servent à rien. Excellent. Ça dépend de la période, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir assez d'argent pour ne plus avoir à m'occuper de ce truc-là. Mais je pense que s'ils sont là et qu'il n'y a pas de boulot, c'est que c'est foutu pour moi. Oh, 10 personnes, c'est pas possible. Ok, on a viré tout le monde. Ok, il n'y a plus que 6 personnes. Je préfère en avoir un peu trop que pas assez. On va essayer de voir ce qu'on peut vendre à nouveau. Ça, on va le vendre. Les fraises, tu gardes. Ça, tu gardes. 7000, évidemment que ça coûte cher le bœuf. Vous m'énervez. 14000, allez. On retourne en positif. Les carottes aussi, finish. Les machins, 20 000, ouais, pour 30 kilos, et puis ça a été fabriqué plus vite que le frometon, donc, ouais, à la rigueur. Ok, bon, bah voilà, ça va pas si mal, voyons voir, qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Ah, elle veut que je vende beaucoup, beaucoup de bœufs, mais, ah, elles vont se reproduire comment? Ils se fichent de moi, elles vont se reproduire comment? Comment veux-tu qu'elles se reproduisent? Y a pas de taureau! Enfin, cela dit... Vache. Il faut que j'achète de la viande de vache. Il faut que j'achète des vaches qui font 2600 pour les revendre, pour les buter et les revendre
1400. Alors, je sais pas si par le plus grand des hasards, avec deux vaches, tu me fais 200. Putain, il m'énerve. Oh, ça m'énerve. Il faut vendre beaucoup. 2900. 290 000. Je sais pas, c'est moi ou ce jeu ne fait aucun sens. C'est moi ou ce jeu ne fait que peu de sens. Je sais pas, hein, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Hein, des cerises, des grignotes. Pourquoi ils appellent ça des grignotes? Bon, ça va là, ça est. Et là, c'est bon aussi au niveau du. D'accord, je pense que c'est bien. Ok, bon, bah, apparemment ça roule. Ça roule, j'ai 8 personnes quand même qui foutent rien. Ils viennent d'être réembauchés alors qu'il n'y a pas de boulot. C'est quand même que du bonheur. Ils viennent d'être réembauchés. Si, à la rigueur, j'avais besoin de travail, que le PC peut voir où est-ce que j'ai un manque de personnel, par exemple dans un champ ou ce genre de choses, et là que tu déclenches une machine automatique, un recrutement automatique. D'accord, mais là, non, quoi, non. Ok, les carottes, ça c'est bon. Ok, on est plus ou moins en positif, juste pour les vaches, quoi, juste pour cette histoire d'abattoir à la con. Bon, bah vendons. 19 000. Heureusement, ça sauve. Le fromage et la confiture, ça sauve. On peut même vendre le lait. 12 000. Non, pas les fraises. Pas du tout les fraises. D'ailleurs, les framboises, on pourrait peut-être les vendre ou alors les garder pour faire de la confiture. Parce que les framboises, il y en a quand même moins que des fraises. Hein. Attends, ouais, là, du coup. Est-ce que la viande... Ouais, la viande, ça va. Le fromenton, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Juste le lait. On va garder, du coup. Ouais, on va pas le vendre à perte non plus. Enfin, genre... Ça va, c'est pas mal. Ok, pour l'instant, ça passe. Vite fait. Naïe, on est à 40% de notre quête. On s'en sort doucement, mais sûrement. Faudra juste me... Ou alors que j'aille relire le commentaire. D'ailleurs, je vous ai pas remercié pour vos commentaires. Hein. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour vos commentaires qui sont instructifs. Je me demande si je devrais faire plus de... Non, ça va, j'ai zéro personne au chômage. Tu vois, là maintenant, tu peux recruter. J'ai zéro personne au chômage et ça, c'est bien. On est 37 et ça bosse absolument partout. C'est bon, toi, t'as besoin de rien. Hein. Normalement, c'est la cueillette. Combien de fois par an on cueille des fraises? That is the question. Hein. Combien de fois par an? Parce que là, on est déjà au 6, et j'ai l'impression que c'est la deuxième fois. Enfin bon. Bon, ça y est, t'as fini de tuer mes vaches, enfoiré de mode. Ça fait aucun sens, ça, vraiment, ça fait aucun sens. Bon, bah, vas-y, fais-les par deux, alors. Fais-les par deux, connard. Fais-les par deux, qu'on en finisse, quoi. Avec cette situation dégueulasse et catastrophique. Bon, bah, au moins, les biquettes, elles... Ouais. Par contre, les moutons, ils en ont plus rien à faire. Ils en ont marre. Hein. Ils se reproduisent plus, les moutons. Hein. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux, toi, machine? Elle m'énerve, cette femme. Elle m'énerve. L'abattoir fonctionne de plus en plus efficace. Ouais, ta gueule. Essayer de vendre 1400 unités de bœuf, hein, bien sûr. La seule chose qui marche bien. Foiré. Bon, efface tout. Efface tout. Ok, allons-y. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oh, super, on a de la pastèque. On a de la bonne pastèque. Du bon fromage. Faites beaux produits quand même. On fait de beaux produits. Regarde-moi ça. Magnifique. Ah bah là, il y a du pognon. Voilà. Là, il y a du pognon. Heureusement que j'avais beaucoup de lait de vache. Heureusement. Hein. Ok.
On maîtrise nos employés, on maîtrise notre production, on est stable économiquement, nous sommes stables. Et ça, c'est bien. Il n'y a personne qui fout rien du tout. Ça, c'est bon aussi. Est-ce que je peux donner l'ordre? Non. D'ici, si, ouais, je peux. Je peux le vendre. L'abattoir. Allez, dégage. Du coup, t'as fini. Et du coup, elles ne sont plus que deux. Je sais pas, je trouve pas ça logique qui fait que... Attends, bouge pas, parce que bon, là, elles vont arriver. Ils vont les abattre à nouveau. Et donc, du coup, à peine arrivé... T'as raison, cache-toi dans le foin, ma pauvre petite. Cachez-vous dans le foin, ils vont venir pour vous. Ah, elles ont disparu. À peine j'ai enlevé les yeux qu'elles ont disparu. C'est triste. Ça me fait du mal à mon petit Kokoro. Voilà, Tatsu, il souffre un petit peu. Voilà, il souffre un petit peu. Il aime les baits, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment un métier de merde. Hein. J'ai envie de dire chapeau à ceux qui font ça dans de bonnes conditions, j'espère. Parce que bon, il y a toujours des associations qui mettent des images sur le net d'abattoirs absolument dégueulasses. C'est immonde. Et ça te dégoûte de l'humanité, tout simplement. Mais c'est un sale... Bon, alors je dis pas qu'il faut... Il faut surtout pas maltraiter. Et il faut que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. Attention. Mais donner la mort toute la journée, ça doit être horrible à vivre. Ou alors peut-être c'est moi qui suis trop sensible, mais voilà. Ok, toi, 20 000. Bah putain, ouais, ça coûte quand même 20 000. Pour 4 vaches, ça coûte quand même 20 000. Oh, c'est pas vrai. Aïe, pardon. Ah, oh merde, le pire, c'est que ça rapporte. Merde, alors le pire, c'est que ça rapporte, en fait. Ah. Donc le pire, c'est que ça rapporte. Ça, c'est un problème. D'accord, petit chou. Bon, bah écoute, fais-moi les chèvres. Le pire, c'est que ça rapporte. Oh, fais chier. 10... Laissez-moi, je passe 7. Donc 4 vaches à 2500, ça fait 10 000. Ouais, ça fait un peu plus de 10 000, donc ça rapporte 20 000. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, donc on va devoir planter des choux, planter des groseilles sur les champs, planter des cassis, planter des coquelicots, ouais, des fleurs, ok, pourquoi pas, des fleurs. Bon, j'ai déjà tout oublié. J'ai déjà tout oublié. Ce qui serait bien, c'est de faire le petit chemin, là, qui pourrait, qui pourrait, en fait, me permettre d'avoir des champs. Et s'il fait le tour, tu sais, comme ça, ça peut être... ça coûte cher, 200. Ouais, 200 quand même. Ça peut être profitable. Ok, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, un champ de choux. Ah, il va falloir augmenter. Je vais le faire 36 par 36. Hein. Je pense que ça sert à rien d'en faire trop gros. Champ de choux. Le chou. Le chou. Pas les choux de Bruxelles, j'espère. Ah bah j'ai cliqué dessus d'un coup d'un seul. Plein de choux. Ouais, non, c'est bon. Chou, mon petit chou. Ok, donc on va faire ça comme ça. Et hop, 36 par 36. 36 par 36. 36 par Francis. On peut le faire là-dessus. Hein. Il sera un peu plus grand, tant pis. Ok, donc toi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Des groseilles. Ça ressemble à ça, les groseilles. Ça, c'est des cassis. Groseilles. Oh là, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai mangé des groseilles. Oh, des... Des groseilles. Non, c'est des groseilles. C'est pas des cerises qu'ils appellent grignotes.
Alors, je crois qu'il y a une variété de cerises qui s'appelle grignotte, elle. Je crois, hein, n'hésitez pas à me dire. Ok, des groseilles macro. Macro, ok, groseilles de macro. Des cassis. J'aime le jus de cassis. Jus de cassis, jus de cassis, non, juste cassis. Poivron, ah, alors je vous fais une petite poêlée de poivron, mon gars, avec des petits morceaux de porc. Ah, oh, c'est un régal. Ok, des cassis, des cassis, des cassis. Cassis pour un cassos. Lay. Mais c'était juste là au-dessus, tout à l'heure, j'avais dit encore. Et puis, ok, les cassis, c'est bon. Champ de coquelicot. C'est une flower. Faire pousser des flowers maintenant. Les coquelicots. Ok, 11 000, ouais, bon bah, ok. Eh ben voilà. Bon. J'espère qu'on va avoir assez de personnel pour tout ça. En tout cas, c'est bien que les champs soient, comment dire, dans ce coin-là. Et que tout ce qui est production et élevage soit dans l'autre. C'est pas pire, en fait. Voilà, c'est pas pire. Moi, je pense que c'est pas mal. Et oui, en effet, apparemment, il faut pas laisser les animaux se reproduire. Il faut en commander. Oh, ça me peine. Ça me peine, mais voilà. Ok, donc il va vraiment manquer de personnel. Hein. On va vraiment manquer de personnel. Je crois que je vais devoir refaire une... Je crois que je vais devoir refaire une petite maison juste à côté, peut-être là, histoire 2, peut-être même là, histoire 2. Je sais pas. Est-ce que je fais une maison de personnel à l'année? Ouais, non, parce que regarde, eux déjà, il y en a 6 qui branlent rien. Alors que vous êtes dans le champ. Ouais, ils sont plus ou moins dans tous les champs. Vous devriez pouvoir. Alors qu'il y en a 6 qui branlent rien. Je les aime pas! Les gens comme ça à l'année, enfin les, comment on dit, pas les sédentaires, les saisonniers, je ne les aime pas. Voilà, je les exècre. Ils me coûtent cher, je suis obligé de les virer en plus. C'est que chiant, en fait. Bon, on va faire une autre petite maison. On va faire une autre baraque. Hein. Le social. J'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Par contre, on a dû produire des trucs quand même. On a dû produire des trucs, je pense qu'on a de la viande. Ouais, ça fait 6. Bah, je crois y avoir tout vendu. Aïe, aïe, aïe. Le concombre, la viande de chèvre, ça me fait combien de chèvres? Ouais, ça fait pas énormément de chèvres, quoi. 15 000. Ah, 47 000, c'est pas mal. Non, mais le fromage et le fruit, c'est bien. Hein. Le fromage et le fruit, c'est bien. Ça fait beaucoup, là, 91 000. Bon, c'est bien, ça, tu peux garder de côté. En plus, ça pourrit pas. Écoute, j'ai envie de dire, petit à petit, c'est pas si mal. Par contre, les framboises. On en a pas beaucoup. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, macro sur le champ. Alors, oui, mais je devais prendre une maison. Je devais faire une petite maison. Que l'on va placer plus ou moins intelligemment, si tant est que c'est possible pour Tatsu Game Show. Voilà. Allez, vas-y, loulou. Le réparateur qui vient pour réparer. Ok, on va essayer de prendre des gens qui sont bons en niveau champ. La machine, ça c'est bien, ça. Ouais, vache, on va éviter. Justement, dans le secteur, on va éviter les apiculteurs. Liste des employés, embauche. Transformation, non. Plantes, eh ben, les plantes. Verger, on n'a pas de verger. On va essayer de prendre des plantes. Et regarde, ça plante, ça. Ça plante. Et on va s'arrêter là. Et on va peut-être essayer de les augmenter un petit peu. On va miser sur l'avenir. Donc elles sont parties directement au champ. Ouais, verger, machin, ça m'intéresse pas des masses, en fait. Elle m'intéresse pas des masses. Elle plus. Elle aussi. Ah, les filles, elles travaillent bien, elles travaillent mieux que les mecs. Elles sont plus consciencieuses.
Ok, c'est pas si mal, c'est pas pire, c'est pas pire. Bon bah voilà, je pense que c'est pas mal. Et je pense qu'on aura assez de personnel maintenant. Surtout que ça englobe une large partie. Ok, grange, grange, grange. Qu'est-ce que tu veux dire par grange? Il manque un tracteur. La grange, là, elle est pleine, là. Ça devrait aller. Dois-je en faire une autre? Je crois que ça coûte assez cher aussi, une grange, hein. Tiens, c'est là. Garage, entrepôt, grange. Coûte combien? 12 000. Pour ce que ça coûte. Écoute, et puis si on en fait une juste en face, à la rigueur, peut-être, je sais pas, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ah! 15 personnes qui foutent rien. Oui, je les aime pas. Allez, licenciement économique, les enfants. Barrez-vous. En plus, j'ai du personnel à l'année. Il me manque une personne ici. Tiens, et monsieur est endurant là. Ah, voilà. On change, on change. Ok, là c'est bon. Ça, t'as plus de moutmout? Allez, rechange chèvre. Rechange chèvre. Donc, hop, hop. Et puis tu. Ah, tu m'en laisseras 5, hein. Voilà. Oh putain, 14 000. Ils m'ont pris 50 000. J'ai de la thèse. On n'est pas si mal parce que l'important c'est qu'on ait des choses à vendre. Voilà, là, ne serait-ce que là, tu vois, ça marche bien. En plus, les watermelons, les pastèques, ça va bien. Là, le lait de vache, on en a de toute façon, donc on peut faire du fromage. C'est pas mal. Voilà, tu regardes, ne serait-ce que le cornichon qui sert strictement à rien quand même, hein. 1 000, c'est vraiment ridicule. Faudrait essayer de faire de la confiture avec ça. On a beaucoup de. Ouais. Tu vois, on aurait pu en avoir 2 dès comme ça. Si j'avais du pognon, j'en aurais 2. Vu que ça rapporte. Bon, là, j'ai rien vendu du tout. Mais allons-y. Le lait de machin, ça va? Ouais, 11 000. Ouais. Allez, hop là. On vend tout. On vend tout. On vend tout. Qu'est-ce que ça donne, ça? Oh, c'est ridicule. Voilà. Et 130 000. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu compliqué avec les employés. C'est un peu compliqué de voir que là, bah, c'est toujours pas fait. Et je vous cache pas que ça me rend dingue, 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 dingue. Il vous faut une double route ou quoi? C'est peut-être pas la période. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous. Ah, il commence à fertiliser. D'accord. Donc là, il commence à planter apparemment. Non? Vous vous foutez de moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça, c'est des graines, c'est-à-dire qu'ils sont en train de planter. Alors, j'ai eu une personne comme ça qui avait pareil des serres et qui me disait que malgré le fait qu'il les ait posées, ça n'avance pas. Vous faites ça à la main? Vous êtes fou! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ils font ça à la main? Pourquoi ils font ça? Ils sont fous, quoi, ces gens? D'habitude, j'ai le petit truc là pour me dire ce qu'il faut comme engin, mais on a un peu de pognon, faut pas déconner non plus. Une remorque, ça on a normalement. Ça là, la planteuse, on a aussi. On a une planteuse. On ressemble à quoi la planteuse? Non, mais je t'en achète une autre à la rigueur. Ça coûte quoi? Ça coûte 2 000 vendu. Ah d'accord, donc on a une planteuse. Hein. On a une planteuse, mais. Ça on a, là, le pulvérisateur, on a. La remorque d'eau, normalement, on l'a. Je peux la vendre. Pas besoin de la rénover. Un tracteur, c'est bon. Ça, l'épandeur à fumier, normalement, c'est bon. J'ai l'impression qu'ils veulent pas venir ici. Ici c'est pareil. Hein. Ici c'est pareil. Je crois que je vais devoir racheter un tracteur. Tiens, le bleu, ce serait bien de le garer là. Oui, mais je crois que le truc, ouais, garage. Ça coûte plus cher. On va racheter un tracteur, on sait jamais. Des fois que ça les fasse bosser un peu plus, je sais pas.
Ouais, mets-le dans le garage, à la rigueur. Des fois que... Bon bah j'attends vraiment que qu'il commence à bosser. Ok, l'autre il va faire du fumier. Il s'occupe de ces champs-là, il s'occupe pas de ces champs-là. Bizarre ça. Ok, donc j'ai encore 9 personnes qui foutent rien, c'est que du bonheur. Donc vous êtes au champ. Et là il y a 9 personnes qui foutent rien, c'est beau. Putain mais c'est beau. Et après ça me prend 100 000 pour payer ces feignasses. Bon, et on commence quand même à pas trop mal s'en sortir. En tout cas, le... Ah, ça y est, ça veut bosser, là. Putain, mais avancer, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, est-ce que je dois faire une double route? Dites-moi si je devrais faire une double route. J'ai peur que qu'il leur faille une double route, quoi. C'est con, c'est complètement débile, parce que même si elle a sens unique, ça devrait aller. Y'a personne, là, y'a personne. Bon, bah écoute, on va tout détruire. On va tout détruire. Ah, j'ai tout détruit. J'ai tout détruit et le petit champ, ce serait bien de le raccourcir juste ce qu'il faut pour faire passer la double route. Du coup, je me dis pas que c'est ça, hein. Me dis pas que c'est ça parce que je pète un câble là, franchement. Franchement, ce serait pas cool. Ce serait vraiment, vraiment pas cool. C'était le premier que j'avais mis, le champ de chou. Chouchou, mon petit chou, il me semble que c'est ça. Pourquoi ça va pas, là? Ah, j'ai plus d'argent. Parce que j'ai plus d'argent. Bouge pas. Oui, non, mais... Bien joué, débilus. Du coup, ça m'a coûté des sous pour rien. On va vendre, calme-toi, on doit bien avoir des trucs à vendre, c'est bon, fais pas la gueule, Marcus. C'est bon, qu'est-ce que ça fait, ça? Allez, il y a 50 000 par là, il y a 49 000 par là, ouais, mais c'est bon, fais-moi pas la gueule. Oh là là, dans ces gens-là, je vous jure. Voilà, 7 000, t'es content. Donc là, on a le machin, donc là, enlève-toi. Là, on va mettre le chou. Non, pas du tout. Me le plante pas le blé. Voilà, du chou, je veux du chou. Moi, normalement, t'as tout ça. Hein. Commence pas à être chiant, normalement, t'as tout ça. Je vous ai fait une route exprès. Me décevez pas. Non, parce que là, je vais... comment dire, là, je... Je ne suis pas joie. La joie n'est pas dans mon petit cœur, là. Parce que j'ai voix à s'affairer. Ah bah tiens, tu regardes. Ok, d'accord. Bah j'ai. Regarde, il est tout de suite là. Ok. À peine mis en place le truc, il commence. À peine mis en place, il commence. Ok, d'accord. Ouais, non mais d'accord. Je vais me faire vous foutre avec mes petites routes, quoi. C'est ça, non? C'est ça le message derrière le... Bon là il y a un souci, Dieu seul sait pourquoi. Une moissonneuse Xena, il me semble qu'on en a une, non? On en a une, coûte encore 200 000. Bon il commence par le chou, j'espère qu'il va continuer par le reste. On a 7 tracteurs, j'en ai racheté des tracteurs, les enfants. Combien voulez-vous de tracteurs? Ça manque de tracteurs. Toujours plus de tracteurs. Je devrais peut-être racheter tout ça en double, je sais pas. Est-ce que ça vous permet de... Nouvel animal, récolte, d'accord.
Ça va les filles, ça produit du lait? Parce que bon, les vaches, je sais que ça rapporte des sous, mais en même temps, ça produit du lait, et le lait, c'est important, et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une assurance, vraiment une belle assurance de... voilà. Une assurance niveau revenu qui est nickel pour le coup, hein. Je sais pas ce qu'il a avec ce machin, on va voir si ça... C'était le coquelicot, c'est ça? Il me semble que c'était le coquelicot qui est ici. Voilà. Et le gel. Tu manques de tracteur? Manque de tracteur? Ok, la double route, elle passe pas ici. Bon bah de toute façon, vous ferez le tour, hein, tant pis. Ah, j'ai vu un tracteur. Ah, tiens, regarde, j'ai effacé. Alors, très important, je viens d'effacer le champ. Je viens de le remettre en place. Et maintenant, il est là pour me le labourer. Ok. Je crois que ça n'allait pas à cause de la route. Je crois que ça n'allait pas à cause de pas mal de choses. Et puis là, il peut faire le tour, c'est bon. Bon, bah, on a passé une année, on a un peu d'argent. C'est pas dramatique, ça avance doucement mais sûrement, chers amis. Là, vous voyez que bon, bah, les champs, ils étaient en place depuis un petit moment. Voilà. Voilà, mais malheureusement, cela ne va pas très très bien à ce niveau-là. Allez, on vend tout. Peut-être pas les fraises, hein. Peut-être pas les fraises du tout, même, d'ailleurs. Peut-être pas les fraises du tout. Et du coup... ça nous fait 200 000. On va changer juste un petit peu de recette, là, vite fait. 230. Non, je crois qu'il faudrait faire pousser des cerises, hein. Même les pommes, hein. La framboise, ouais, 90. Alors, par contre, la fraise, le truc de fraise, ouais. Est-ce que... 90, donc la framboise, 90. La fraise, 95. Donc, en gros, la fraise, c'est plus cher. Je vais produire ça. La confiture de fraises, c'est plus cher, donc du coup, je vais vendre tout ce qui est framboise. 1100 car l'oignon et ça fait 30 000. À partir de là, c'est bon. Voilà, ça fait 8 000 encore. Tu vois, les vaches, c'est sacré. On ne touche... c'est comme en Inde. Elles sont sacrées. Chers amis, est-ce que vous commencez doucement, mais sûrement à... pas du tout. Donc apparemment, bon, là, ça... bon, bah là, c'est gelé. Ouais. Non. Ouais. Donc là, bon, bah ça a pas bougé. On va mettre du fumier absolument partout. On a deux personnes qui n'ont pas grand chose à faire. Et personne ne veut venir là en face. Ça vous dit pas de... bon. Bon bah voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Je sais pas trop comment je vais monter cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, avec vos conseils, c'est toujours agréable de vous lire. Gros pouce bleu, gros abonnement, chers amis. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode. Des bisous, tchou tchou bye bye, à la prochaine.